Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo particulière pour vous parler de mes stars, les stars de cette chaîne. La star, c'est évidemment pas moi. La star, c'est la guitare. Et je dirais même les guitares. Donc, je vais vous présenter un petit peu les guitares que j'utilise. Elles sont au nombre de 4. Et justement, je vais répondre à la question, pourquoi avoir plusieurs guitares? Est-ce qu'on pourrait se contenter d'une seule guitare? Alors, je vais commencer par exemple, prendre celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est une Yamaha avec poussière. Voilà. Comme ça, on a l'impression que c'est une vieillerie. En fait, cette guitare-là, c'est ma première. Voilà. Donc je l'ai achetée il y a 30 ans, quoi. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, il y a 30 ans. C'est grâce à l'argent de mes premiers centres de vacances que j'ai pu m'acheter. Ça, c'est... Je l'ai payé 1200 francs avec housse. Cette guitare-là, il est hors de question que je m'en sépare. Elle est pas mal jouée sur la chaîne. Et en fait, l'avantage de cette guitare-là, je m'en sers pour les accordages de chansons un petit peu particuliers. Par exemple, celle-ci, si vous écoutez... Elle est accordée exactement un ton en dessous de l'accordage normal, qui est un accordage de Mi. Ça, c'est un accordage normal, Mi. Ok ? Là, je l'ai descendu d'un ton, ce qui va me permettre de jouer certains morceaux, comme par exemple, je vais faire... Je fais la liste de ce qu'on ne sera plus. Voilà. Donc ça m'évite de prendre ma guitare principale et de la désaccorder à chaque fois pour la réaccorder dans la bonne tonalité pour un autre morceau, etc. Donc ça c'est le rôle de cette guitare. Par exemple, pour jouer les morceaux de Cabrel, je me sers beaucoup de celle-là parce que Cabrel joue souvent avec une guitare justement désaccordée. Donc, Donc, ma première guitare, 30 ans, celle-ci, 30 ans d'âge, rien que ça. Bon, ce n'est pas la guitare qui est utilisée le plus, hop, la guitare qui est le plus utilisée dans la chaîne, c'est ma préférée, évidemment, celle-ci. Alors, c'est quoi ça? C'est une Takamine. En fait, c'est une Takamine avec un liseré bleu. Je sais que Goldman en a une, comme ça, une Takamine, une Santa Fe. Voilà, c'est la série Santa Fe, donc les guitares vraiment très folk, pur produit folk. Cette guitare-là, je l'utilise avec un accordage normal. Donc ça veut dire Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Voilà, accordage normal. Celle-ci, l'avantage de cette guitare, c'est qu'elle sonne aussi bien en acoustique que électrifiée. Voilà, en acoustique, elle donne pas mal non plus. Et elle a aussi un autre avantage, regardez. Voilà, ça, là, ici. C'est ce qu'on appelle un pan coupé. Ce qui me permet, avec cette guitare, d'avoir des accès aux notes plus aiguës. Ce que je ne peux pas faire avec la Yamaha, par exemple. Donc là, je peux avoir accès aux notes les plus aiguës. Donc, voilà. Et c'est avec cette guitare que je fais le petit jingle d'entrée que vous reconnaissez. Voilà. Ma préférée, celle-ci. En plus, cette guitare, elle a une particularité, ce qui est assez rare aujourd'hui, c'est que à l'intérieur de la rosace, alors vous n'allez pas pouvoir le voir puisqu'il faudrait regarder un petit peu à gauche, vous avez ce qu'on appelle une lampe. En fait, c'est ce qu'on appelle un pré-ampli à lampe, qui est assez rare aujourd'hui. Et une fois électrifié, ce pré-ampli à lampe s'éclaire d'un bleu, un vrai bleu très joli, qui se voit du coup quand on l'électrifie. Et ça permet en fait de chauffer le bois. Cette lampe, elle a pour rôle de chauffer le bois et donc de chauffer le son de la guitare.
ce qui va lui donner un son très chaleureux par défaut. Voilà, à cette guitare. Et puis elle a aussi une autre particularité, c'est qu'elle a un accordeur intégré, s'il vous plaît, rien que ça, avec un equalizer, évidemment en acoustique ça sert à rien, mais à l'accordeur intégré par contre c'est très intéressant, pratique. Voilà, ça, avec ça, évidemment, on joue de tout. Cette guitare, moi, je l'ai achetée 1 500 €. Voilà, et je l'ai achetée en 2006. Voilà, donc vous comptez l'âge qu'elle a. Voilà, 16 ans pour cette guitare. Presque 16 ans, en réalité. Une autre guitare que j'utilise aussi, et c'est la dernière guitare sèche que je peux vous montrer. Voilà, celle-ci. C'est la plus récente, celle-là. Elle a... je dirais qu'elle a 4 ans, je crois, un truc comme ça. Elle doit avoir 3 ou 4 ans, je pense. Ça, c'est une Taylor, s'il vous plaît, marque de luxe. Et c'est une 12 cordes. Alors, quand j'ai acheté ça, il y a quelques années, j'ai un copain qui m'a dit « la 12 cordes, ça sert à rien, ça sert qu'à jouer Hotel California et après tu la mets au placard ». Eh bien, non, mon cher copain, ça ne sert pas qu'à jouer Hotel California. Vous avez des chanteurs qui, maintenant, s'équipent beaucoup, enfin, qui jouent beaucoup de la 12 cordes, y compris sur scène. Je pense, par exemple, à Jean-Louis Aubert. Cette guitare 12 cordes, évidemment, on ne peut pas, par contre, la jouer dans tous les morceaux, ça pourrait pas coller. La 12 cordes, elle a, je dirais, une qualité et un gros défaut. La qualité de la 12 cordes, c'est la richesse du son. C'est-à-dire que si je prends un accord de mi classique, écoutez bien, je décupe les 12 cordes. Les cordes sont doublées, en réalité. Donc, on va avoir un son qui va être riche. Si je prends la corde de sol est jouée sur plusieurs octaves. En fait, il y a la petite corne, et juste après, la grosse. Ça, c'est exactement la même note, c'est un sol, sauf que la corde est doublée. Donc on va avoir un son extrêmement riche. On peut jouer de la 12 corde en arpège, hein, On peut jouer aussi la 12 cordes avec un battement, quoi. Voilà, ça c'est sa qualité. Par contre, la 12 cordes a un défaut, c'est que par nature, comme les cordes, les notes sont aiguës, hein, on a quand même une corde très aiguë, eh ben, ça lui confère un son qui va être plutôt froid. Voilà, on peut pas avoir un son chaleureux avec une 12 cordes, quoi, ça va pas être possible. Dans le répertoire de Goldman, il y a un seul morceau qui, dans la version album, et même la version live d'ailleurs, Live 98, est joué à la 12 cordes. Il s'agit de... Voilà, le fameux morceau « Elle attend » qui est joué à la 12 cordes. Donc c'est le seul dans le répertoire de Goldman. Donc c'est pas un grand... Goldman n'est pas un mordu de la 12 cordes, on peut pas dire ça. Bon, donc, si vous voulez vous équiper, ça peut... Voilà, vous voulez acheter une autre guitare en plus d'une 6 cordes, ça peut être un complément. Alors moi par contre, je vais proposer bientôt le titre « Elle attend », je suis en train de travailler justement, mais je mettrai deux guitares, parce que si je mets qu'une 12 cordes dessus, ça risque d'être un peu froid. Donc je vais mettre un petit peu de moelleux en mettant une 6 cordes, dupliqué avec la 12 cordes. Voilà, il y aura deux guitares dans le morceau et plusieurs voix. Ça, un peu de patience, c'est pour bientôt, j'espère. Voilà, donc ma fameuse 12 cordes. Et la guitare, enfin, la dernière que je vous présente, parmi mes guitares, la quatrième. Celle-là, on ne l'a pas entendue beaucoup, en réalité, parce que je suis en appartement et j'ai un problème de son. Le problème de la guitare électrique, c'est une Yamaha. Voilà, également. Le problème de la guitare électrique, c'est que c'est une guitare qu'il nous faut amplifier obligatoirement, parce que si je la joue comme ça,
ça fait un peu pauvre comme son. Voilà. Donc, le problème de l'électro électrique, c'est que il faut avoir un ampli. Donc, moi, j'ai des amplis, mais le problème, c'est que je peux pas vraiment la brancher souvent parce que j'ai des voisins. Et les voisins se plaignent du bruit, forcément. Donc, voilà. Néanmoins, sur quelques solos que j'ai proposés, par exemple sur En Passant, c'était donc cette guitare-là que j'utilise. Et la particularité de cette guitare, donc qui est la référence RGX A2 de Yamaha, voilà, on le voit en haut ici, voilà. La particularité de cette guitare, c'est que contrairement aux autres guitares électriques, celle-ci est, je crois, la plus légère du marché. Voilà, elle pèse deux fois moins lourd qu'une guitare électrique, que les autres guitares électriques. C'est d'ailleurs, je crois, pour ça que je l'avais choisie à l'époque, parce qu'au bout d'un moment, ça fait mal aux épaules quand vous êtes sanglé. Voilà, donc c'était une petite vidéo alternative. Je souhaitais vous présenter les stars de ma chaîne. Voilà, et puis je vous dis à bientôt pour d'autres sessions guitaristiques. Portez-vous bien. Ciao, ciao.